Hey, salut à tous les amis, c'est Kajin Vlog, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore une fois d'un casque Philips, vraiment pas cher, il est au prix de 15€. Je vous laisse avec l'introduction de la vidéo et on se retrouvera juste après avec des petits plans que j'ai fait avec, eh bien, tout simplement ma caméra. Allez, c'est parti. Alors les amis, comme vous le voyez juste ici à l'écran, ce petit casque est vraiment super stylé, il est très design, avec les coussinets qui sont eux en simili-cuir. Ils offrent vraiment au niveau des oreilles une sensation assez agréable. Moi étant un adepte du montage, j'adore porter ce type de casque là quand je fais du montage et même quand on écoute de la musique. Vous remarquerez également un arceau qui est lui réglable et les oreillettes qui sont elles pivotantes, qui peuvent vous permettre de le mettre en décoration ou tout simplement de le laisser autour de votre cou en ayant les oreillettes posées sur votre cou. On va également remarquer une prise jack TRS, donc qui ne possède pas de micro. On va également avoir un câble qui va être lui composé de deux câbles en fait unis qui vont former au final qu'un seul. Vous allez avoir de chaque côté au niveau de la prise jack un petit anti-cassure, donc je l'avais dit dans mon ancienne vidéo que c'était un mot qui n'était pas français, mais bon, j'aime bien le dire, donc je le dis. Voilà, alors on va également avoir hein, sur ce petit casque les petits, je sais plus exactement comment ça s'appelle, les petits, en gros les dessus d'oreillettes hein, qui vont être eux assez design également. On va être là sur un casque qui va être, comme je le disais au début de la vidéo, au prix de 15€. Vous pouvez le trouver à peu près partout. C'est un casque pas cher, mais avec des très très bonnes qualités, comme vous pouvez le voir hein, à l'écran. Donc ces qualités-là sont eh bien, l'ergonomie, puisqu'il est vraiment assez cool au niveau de ça. On va avoir également la légèreté du casque, parce qu'il est très très léger. Il doit peser même pas 100 grammes, il me semble, ou peut-être un petit peu plus, mais ça tourne autour des 100 grammes. On va également avoir eh bien, sur ce casque des basses qui vont être assez profondes et des aigus qui vont être cristallins. Donc oui, j'utilise des termes assez pointus, mais c'est vraiment pour désigner exactement ce casque-là. Alors je l'utilise principalement moi personnellement pour faire des montages et écouter de la musique, mais il peut très bien convenir pour regarder vos vidéos YouTube ou tout simplement eh bien, pour regarder des films ou etc. Donc voilà, sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu pour me soutenir à faire toujours plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu et si vous voulez plus de petites reviews comme ça et de petits avis sur ce type de casque. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Allez, ciao !